Alors pour copier-coller, on fait la contrôle, la touche CTRL. Donc on appuie dessus. Ok. Et après on a X, C ou V. Et donc voilà, on a toujours la touche contrôle appuyée. Contrôle X, ça coupe. Contrôle C, ça copie. Donc copier ou coller, on va dire copier, d'accord? Tout le temps copier. Contrôle C. Et après, vous déplacez à l'endroit où vous voulez coller. Vous appuyez pareil. Appuyez, contrôle. Et appuyez sur V. Une fois. Voilà. Après, vous pouvez le relâcher, celle-là. C'est pas la peine d'essayer de faire tac, tac en même temps. Non. Celle-là, elle peut rester appuyée. Et après, sur V. Voilà. Donc, souviens, contrôle C, contrôle V, copier-coller. Et celui-là, c'est couper. Bon. Alors, il faut savoir que sur Mac, sur Apple, ce n'est pas contrôle CTRL, contrôle C, contrôle V. C'est une autre touche qui s'appelle commande. CMD, il est marqué CMD. Voilà, parce que les Mac ont aussi une touche contrôle. Mais la touche pour contrôler, pour les raccourcis, c'est la touche commande. Donc CMD sur le Macintosh. CMD, après ça marche pareil par contre. Hein. On appuie sur CMD ou contrôle et CV. Copier-coller.